Salut, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne dans cette session des news un peu spéciale 100% Ligue Pro béninoise, le championnat béninois qui bat actuellement son plein. Le championnat s'est joué bien sûr ce 23-24, c'est-à-dire hier, samedi et aujourd'hui dimanche. Résultat complet, 14e journée de la Ligue Pro béninoise zone A. Cavalier qui bat Dynamo de Parakou 3 buts à 0. Panthé, Bani Gansé, un but partout. Dynamique à Béké, un but partout. Buffle qui a perdu à domicile face à Damissa, un but à 0. Takoune était au repos. Zone B, Soleil Houlio, un but partout. Espoir de Savalou qui bat Dynamo d'Abomey, 2 buts à 1. Tonnerre qui fait un match nul face à l'Autopopo qui est en train de caler, bien sûr, cette saison. Ça ne va pas du tout. Voilà. Dadje qui atomise, bien sûr, Abeille, 4 buts à 1. Et le Real Sport était au repos. Zone C, étoile filante AS Cotonou, un but partout. Coton qui bat Aspac, un but à 0. Aïnovi Aziza, 0 but partout. Requin AS Police, 3 buts à 2. Ce match s'est joué sous mes yeux. J'ai suivi ce match au stade, bien sûr. Bon, sur le terrain de l'UAC, 3 buts à 2. Et par rapport à cette rencontre, les Requins, ont dominé cette rencontre, mais l'AS Police aussi a fait de son mieux, notamment ce latéral droit qui a attiré notre attention, le latéral droit de l'AS Police qui a une manière particulière de lancer les touches remises en jeu très très longues, bien sûr, et ce qui a profité à son équipe. Les deux buts ont été occasionnés par lui. Repos, Adidja FC, zone D. Soubibap qui bat Jiaké tout 5 buts à 0. Un Dragon qui bat Avrancou Omnisport 1 but à 0. Aïma Azvo, un but partout. Jeunesse sportive de Ouidah qui a perdu à domicile face à la JSP 3 buts à 0, bien sûr. Voilà. Voilà les résultats et on va vous dresser le classement à l'issue de ces résultats. Le classement à l'issue de ces résultats se présente comme sous réserve, bien sûr, d'homologation, tout ce que vous voulez. Classement au terme, bien sûr, des journées. Je pense qu'on y arrive à présent. Zone A, le premier c'est Damissa. Damissa 25 points plus 14. Bani Gansé 25 points plus 10. Bani Gansé et Damissa qui ont pris la tête catégoriquement. Vous voyez, ils sont d'emblée, bon, ils sont en bonne position, en pole position, bien sûr, de se qualifier pour la Super League. L'US Cavalier, troisième, 19 points plus 3. L'AS Takoune, 16 points moins 3. Cinquième, Dynamique FC, 15 points, moins 2. Sixième, Buffle FC, 14 points, plus 1. Septième, Panthère. Ça veut dire que si ça s'arrête là, les Buffles ne vont pas se qualifier pour la Super League. Et bon, ça leur reste que 12 journées. Ils peuvent chipper, bien sûr, des places. Septième, Panthère, 14 points, moins 4. Dynamo de Parakou, 10 points, moins 11. Béké FC, 8 points, moins 8. Zone B, premier, Dadje, 28 points plus 9. Deuxième, Lotopopo, 25 points plus 14. Troisième, Dynamo d'Abomey, 23 points plus 1. Quatrième, Abeille, 17 points plus 1. C'est-à-dire que le nouveau promu, Abeille, peut se qualifier. Vous voyez, la Estonne, 16 points moins 5. Espoir de Savalou, 14 points moins 2. Rodu FC, 11 points moins 4. Soleil FC, 11 points moins 7. Real Sport, 7 points moins 6. Zone C. En premier, AS Cotonou, 26 points plus 8. Deuxième, Aspac, 23 points plus 2. Troisième, Requin, 22 points plus 6. Coton, 21 points plus 7. Cinquième, Adidja, 18 points plus 3. Aïnovi, sixième, 12 points moins 3. AS Police, 12 points moins 6. Étoile filante, 10 points moins 10. 9e Aziza FC, 9 points moins 7. Zone D, premier Sobemap, 24 points plus 8. Aïma, deuxième, 23 points plus 6. Jules Sportif de Poubet, 20 points plus 4. Quatrième, Asvo, 18 points plus 0. Cinquième, Dragon, 17 points plus 6. Sixième, Jiaketou, 16 points moins 5. Avranco Omnisport, 14 points moins 3. 18e, Jeunesse Sportive de Ouidah, 13 points moins 2. Et Jeffa FC, 5 points moins 4. À part Jeffa FC, même la JSO peut faire un résultat
C'est très très serré à ce niveau-là pour la Super Liga Pro. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce Flash Info. J'espère que vous avez aimé les résultats. Vous avez aimé le classement. Likez, partagez, abonnez-vous. On essaiera d'en débattre dans notre communauté par rapport à vos commentaires. Donnez vos commentaires par rapport à ce sujet. On ne saura terminer sans bien sûr vous proposer notre formation. Pour ceux qui ont envie de faire ces contenus YouTube et gagner de l'argent avec YouTube, un seul numéro plus 229 53 63 87 30 et vous allez faire ce type de contenu. Le numéro est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Notre adresse mail aussi. Après l'adresse mail, il y a le lien de notre groupe WhatsApp qui est aussi en commentaire épinglé et en description. À tout de suite. Ciao.